Alors Caroline de la médiathèque des Ors. Alors moi je voulais vous présenter aujourd'hui la BD de Aude Mermilliode, Le cœur des femmes, qui est en fait une adaptation du roman de Martin Winkler paru en 2009. Alors déjà le roman ça a été un véritable coup de cœur quand je l'ai lu et ça a été un véritable plaisir de le redécouvrir à travers cette BD qui est une magnifique retranscription de ce roman. Martin Winkler, de son vrai nom Marc Zafan, est né en Algérie. Il vient en France avec son père qui est lui-même pneumologue et en fait il souhaite que son fils suive également des études de médecine. Donc en fait il va devenir un médecin généraliste. Et c'est vraiment un médecin qui va se pencher sur la médecine de la femme. On va le voir aussi à travers pas mal de romans aussi qu'il a écrits, des essais et des documentaires où il parle beaucoup du système médical français. Et ils prennent vraiment une médecine humaniste et c'est vraiment ces thèmes qu'on retrouve dans cette BD. Bon, en fait, on va suivre la jeune Jean Atwood, qui est une étudiante en médecine, qui est promo de majeure de sa promo. Elle se destine à une brillante carrière dans la chirurgie gynécologique. Et en fait, pour terminer ses études, il lui reste encore un dernier stage à faire de 6 mois qui ne lui plaît pas du tout. Parce qu'elle va se retrouver dans un service qui est le service de la médecine de la femme, qui est tenu par le docteur Karma. Alors déjà, c'est pas un docteur, c'est pas un gynécologue, donc ça, elle a un peu du mal à le comprendre. Et elle a déjà l'impression de savoir tout, sur tout. Et ce docteur Karma, il est aussi connu parce qu'il a des pratiques qui sont un petit peu différentes de ce que font les autres médecins. Dans son service, il est très à l'écoute, en fait, des femmes qui viennent. C'est un service qui est vraiment dédié à la santé de la femme. Et elle, au début, elle a du mal à comprendre ça. Elle est là, elle reste et elle comprend pas pourquoi on passe des heures à les écouter se plaindre des petits mots ou des grands mots qu'elles ont dans leur vie. Et en fait, au fur et à mesure de ce stage, ça va complètement bouleverser sa vie en tant que médecin et remettre en cause ses pratiques en fait dans la médecine. Parce que voilà, le docteur Karma va vraiment remettre en cause, et c'est vraiment ce qui est dans cette BD, le rapport en fait du médecin-patiente et l'importance en fait de la patiente dans la pratique de la médecine, et que c'est pas juste le médecin qui vient en grand savant dire à la femme si elle a mal ou si elle a pas mal. Et donc ils sont vraiment dans un service où ils sont à l'écoute de la femme. Et c'est un roman qui est extrêmement, une BD qui est extrêmement touchante. Touchante de par les témoignages en fait qu'on a des patientes. Voilà, on a des passages un petit peu particuliers où on a des vrais témoignages, des textes un petit peu plus longs où on rentre complètement dans la vie de la patiente. Et du coup c'est une BD qui va vraiment toucher à toutes les thématiques de la médecine de la femme. On va passer de la contraception, la volonté de la grossesse, du viol, des violences conjugales et aussi de la maladie. Donc c'est extrêmement touchant parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité des patientes. C'est extrêmement touchant également parce qu'on est aussi dans la vie des professionnels en fait de santé. Et on se rend compte aussi un petit peu de leurs conditions de travail aussi. Donc c'est vraiment une BD à mettre dans nombreuses mains de nos professionnels de santé. C'est une BD très humaniste et en même temps très pédagogique. Je pense que nos futurs médecins et même les médecins aussi qui sont en exercice, ça peut vraiment être très, très intéressant à la lire. Et en fait, ce qui est assez chouette aussi, c'est qu'à la fin de cette BD, vous pouvez télécharger un petit guide qui est gratuit de santé sur la médecine de la femme, où en fait, ça répond vraiment à toutes les questions de la petite fille à la femme mûre, où voilà, qu'on n'ose pas forcément se poser ou qu'on n'ose pas forcément poser à son médecin. Là, vous avez un petit peu toutes les réponses qui peuvent être données. Donc ça a été un véritable plaisir de redécouvrir ce roman à travers cette BD. Si vous avez déjà lu le roman, vous le redécouvrirez d'une autre manière avec cette BD. Voilà.